Bonjour tout le monde, William Clavé du Guide de l'Auto. Cette semaine, je suis à Nashville, au Tennessee, pour le lancement international de la toute nouvelle Lexus ES 2019. Donc, comme vous voyez, je suis dans le modèle F Sport, écrit derrière moi sur le siège. F Sport, c'est une nouvelle déclinaison pour la ES en 2019. Non, la berline ne l'offrait toujours pas. Et si vous êtes assis derrière l'écran en train de vous dire ce n'est qu'une Camry de luxe, vous n'avez pas entièrement tort parce que oui, la nouvelle ES est toujours partagée sur la plateforme de la Toyota Camry, la plateforme GAK, la même en fait qui est utilisée pour l'Avalon et le nouveau Toyota RAV4. Mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose. En fait, les gens chez Lexus s'en cachent vraiment pas qu'elle est basée sur une Camry. Au contraire, on voit ça plutôt comme une opportunité de faire une bien meilleure ES. Rappelons-le, là, chez Lexus, ce que je trouve personnellement très cool, c'est qu'on offre deux berlines intermédiaires complètement différentes en ce moment. On a la GS, qui est une berline sportive conçue pour s'en prendre là, aux Allemands là, sur les circuits de course, notamment là, avec la GSF, et la ES, qui est conçue à prime abord pour être une berline qui est confortable, somptueuse, fiable et très raffinée. Et pour 2019, pour vrai, là, on a poussé là, la note là, au maximum pour offrir exactement cela. Donc, qu'est-ce qu'on parle en fait? Au niveau motorisation, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc, toutes les GS, même la F-Sport, là, sont munies du bon vieux V6 atmosphérique de 3,5 litres de Toyota Lexus. Il développe ici 302 chevaux et un couple de 267 livres-pieds. La seule boîte de vitesse disponible est une automatique à 8 rapports et on peut avoir la version hybride qui vient avec le 4 cylindres 2,5 litres avec un petit moteur électrique pour un total de 215 chevaux. Donc, au niveau de la conduite, bon, écoutez, c'est vraiment là, le point fort là, de cette bagnole-là, elle est tellement douce, elle est calme, silencieuse. Et au niveau de la suspension, on a vraiment l'impression qu'on flotte là, par-dessus les trous, les imperfections. D'ailleurs, Lexus se vante d'avoir breveté là, une suspension adaptative là, pour la ES exclusive à cette voiture-là. Donc, on la trouve nulle part dans aucun produit Toyota Lexus. C'est une suspension adaptative qui est mécanique. Donc, contrairement au système électronique qu'on retrouve, là, par exemple, chez les produits allemands, ou européen. On a un système mécanique qui fait en sorte qu'il est plus fiable et les gens de Lexus nous confirment que le temps de réaction est aussi rapide là, qu'un amortisseur conventionnel électronique adaptatif. Et derrière le volant, on ressent là, cette espèce de réactivité-là. La Lexus, la ES n'est pas une voiture sportive, mais elle a une direction quand même très animée, un châssis qui est solide. On sent vraiment là, qu'elle est conçue comme du rock et ça nous permet d'avoir une tenue de route qui est à la fois très souple, mais aussi très solide là, pour la conduite un peu plus nerveuse. On a des modes de conduite. On peut la mettre en mode sport ou en mode sport plus. C'est ici devant moi, je trouve ça très cool, là, les espèces de boutons qu'on a ici. En mode sport plus, la voiture, bon, l'appel à l'accélérateur répond mieux. La boîte automatique se trouve à enfiler les rapports plus rapidement. Mais c'est pas une berline sportive. J'ai des palettes au volant. Je peux rétrograder. Je peux accélérer. On a une bonne sonorité du moteur V6. On a des bons freins. Mais c'est jamais extrême, c'est toujours doux, c'est toujours très, très, très contrôlé, très conservateur. Et selon les gens de Lexus, c'est ce que les propriétaires de ES veulent. Donc, moi, je suis très d'accord. Là, si vous voulez une berline plus performante, allez vers la GS ou même la RC en version coupée deux portes. Donc, au niveau de l'habitacle, très réussi. Puis ça, c'est vraiment la force des produits de Lexus dernièrement. En fait, moi, ce que j'admire de Lexus qu'ils ont fait depuis quelques années, là, c'est qu'ils ont enfin réussi à se dissocier des produits Toyota. Donc, on n'a plus l'impression là, que c'est une Toyota là, modifiée. Bon, c'est sûr que la ES, elle a des ressemblances à la Camry parce que oui, c'est la même plateforme, mais on ressent que c'est un produit qui est entièrement différent. On ressent des exclusivités, on les voit, on les touche. On a un habitat qui est moderne, qui est très, très, très bien assemblé. On sent la qualité. N'oubliez pas que Lexus a une cote de fiabilité, excusez-moi, qui est dans le tapis en passant. Là. Ils ont longtemps figuré parmi les top 5 constructeurs les plus fiables. D'ailleurs, ils ont été premiers là, pendant très longtemps. Et on a l'impression, ce qui est bien, c'est qu'on ressent la valeur du produit. Là, pour le moment, Lexus n'a pas affiché de prix de vente là, pour la ES. Les prix vont sortir d'ici environ un mois. Normalement, c'est une berline qui se détaille entre 40 et 50 000 $. Dans les autres produits japonais de luxe, Acura, Infiniti, dès qu'on embarque dedans, on est porté à se dire « Ouais, je pourrais peut-être m'acheter une allemande pour ce prix-là ou un petit peu plus cher. » Pas avec Lexus. On a vraiment envie d'en acheter une parce que, bon, l'habitat qui est très, très, très bien conçu, elle se démarque, elle a un design extérieur qu'on aime ou on n'aime pas qui est très, très, très unique. Donc, chapeau à Lexus d'avoir fait ça. Et on continue la donne avec la ES qui est, à mon avis, la meilleure interprétation de la berline depuis qu'elle a été introduite en 1990.
Au niveau du système infodivertissement, malheureusement, je ne peux pas en dire autant. Écoutez, Lexus essaie de l'améliorer, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans les bureaux de Lexus au niveau des... quand ils se parlent pour le système multimédia. Là. L'interface, je veux dire, il est beau, là, bel, encore une fois, un très bel écran, c'est bien présenté, haute définition. On le manipule là, par un pavé tactile ici qui est complètement raté. Là. Je ne sais pas par où commencer. Là. C'est, on se promène avec ça. Là, j'y touche en ce moment, là, puis il fait plein de trucs. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. On doit cliquer dessus. Après ça, les menus sont complexes. C'est dépassé au niveau de l'interface. On s'y perd facilement. Donc, très, très, très frustrant. Vraiment pas intuitif comme système. Par chance, cette année, là, on offre Apple CarPlay. Yes, enfin Apple CarPlay, mais on n'a pas Android Auto. Non, je ne comprends pas. J'ai demandé aux gens de Lexus pourquoi ils n'ont pas de réponse à me donner. C'est juste que probablement qu'ils n'ont pas eu d'entente avec Android. Mais au moins, il y a de l'effort de la part des savants de Lexus pour améliorer leur système. Mais ça reste encore malheureusement un désastre. Donc, pour le reste, je dois avouer que je suis très satisfait de cette berline-là. Elle se démarque. Non, la traction intégrale n'est pas disponible. Elle s'offre seulement avec un rouage attraction, mais selon les gens de Lexus, de toute façon, n'oubliez pas que la ES, c'est une berline qui se vend très bien aux États-Unis et en Chine, et les consommateurs là-bas n'en ont pas de besoin de la traction intégrale. De toute façon, la GS, ça fait que la traction intégrale, la IS aussi, il y a en masse de produits chez Lexus qui sont disponibles, sans compter là, les VUS qui sont disponibles avec la traction intégrale. Donc, chapeau à Lexus de continuer d'offrir une bonne vieille berline intermédiaire, solide, bien construite, immensément confortable et juste assez performante. Il y a juste assez de puissance dans cette berline-là. Et oui, on sent les roues avant travailler. Ça, oui, comme on dit en québécois, ça spinne de tour. L'hiver, ça y prend des bons pneus. Mais on a un système anti-patinage qui peut nous éviter des problèmes. Somme toute, une berline qui est réussie. Très satisfait de cette voiture-là. Donc voilà, c'était mon topo rapide là, de la Lexus ES 2019 ici à Nashville, au Tennessee. D'ailleurs, M. Donald Trump lui-même est ici aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a plein de trafic partout. Là. Donc c'est à cause de lui qu'on n'a pas eu là, des belles routes dégagées pour notre essai. Bien entendu, il va avoir un essai complet là, sur notre site sous peu. Et visitez notre page Facebook pour tous les détails.